هذه الوحده هذه ديال التشخيص ديال امراض ديال التوبركلوز وما جاورهما كاع الميكوباكتيريات اللي كيتعلقوا بهذا السل. وكنعرفوا حنا داء السل والحاله الوبائيه اللي كيعيشها البلاد ديالنا ان كاين 30,000 حاله كل عام، وكاين كيقدر يؤدي الوفيات الى 2900 حاله وفاه كل سنه. وحنا كنعرفوا هذه الحاله ديال المحاربه اللي كتعمل بها وزاره الصحه ضد مرض ديال السل منذ القدم، وكان عرض تطور وتحسن الحمد لله. واليوم هذا جا كيعزز لنا، ولينا كنشوفوا ان كاين بعض الحالات اللي هما كيقاوموا الادويه. اذا حنا اليوم كنقولوا بان هذه الوحده هذه بفضل المجهودات اللي كتقوم مع لابوراتوار ميريو، السيد الرئيس هو حاضر معنا والسيده السفيره كذلك حاضره معنا، وكيحاولوا يدعموا هذا المجهود هذا باش المحاربه ديال داء السل تعرف واحد النتيجه جد ايجابيه. لان كتعرفوا بان داء السل في واحد المناطق اخرى ما بقاش اندثر، واليوم كذلك حتى حنايا خاصنا تنمشيو في نفس السياق. وفي المغرب كاين مجهود كبير، ولكن كاين بعض الاماكن اللي خاصها نزيد ندققوا الامور باش يمكننا نزيدوا الافضل. Je me réjouis d'être ici pour la pose de la première pierre d'un laboratoire P3, c'est-à-dire très sécurisé en matière de tuberculose, qui est un don de la Fondation Mérieux à l'Institut Pasteur du Maroc, qui va permettre de lutter donc contre la tuberculose qui continue à exister en particulier dans la région de Casablanca, et qui va pouvoir aussi être en réseau avec les autres instituts, les autres laboratoires partout en Europe et en Afrique en particulier. Et c'est une nouvelle illustration de la coopération qui peut exister entre mon pays, la France, et le Royaume du Maroc en matière de santé. Alors aujourd'hui, c'est une occasion intéressante pour donner le lancement des travaux de construction et d'équipement d'un centre de référence en matière de diagnostic et d'expertise sur la tuberculose et les mycobactéries. Alors ce centre, c'est le premier de son genre au Maroc, dans notre pays, spécialisé dans le domaine de la tuberculose. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un centre qui va être doté d'un laboratoire qui est d'un niveau de biosécurité niveau 3. C'est un niveau élevé pour permettre justement le diagnostic, la surveillance épidémiologique et le développement des outils diagnostiques en matière de tuberculose commune et tuberculose multirésistante. C'est aussi un outil qui va renforcer notre système national en matière de riposte contre la tuberculose en offrant des services d'assistance technique, de renforcement des capacités, de formation des professionnels et d'accompagnement aussi technique aux différents laboratoires provinciaux et régionaux qui sont spécialisés de la tuberculose qui relèvent du ministère de la Santé. Nous avons, comme vous le savez, à peu près un réseau de 62 centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose dans notre pays. Donc ce centre de référence va être un soutien technique, un soutien aussi scientifique et vraiment pour pouvoir renforcer les capacités. C'est aussi un outil pour renforcer les activités de recherche-développement, surtout la recherche-développement des outils diagnostiques, des outils thérapeutiques, de la tuberculose commune et aussi de la tuberculose multirésistante qui commence dans le monde à poser de sérieux problèmes au niveau de la santé publique, au niveau mondial.